Pénard, du Bénédicte Pénard. J'en profite pour vous dire que dans le cadre de son anniversaire, de ses 25 ans, le Bagad Pénars, tout le long de l'année 2010, a organisé plusieurs manifestations, notamment les samedis 10, les vendredis 10 et samedi 11 décembre prochain. Vendredi 10, un concert du Bagad Pénars, El Harvest, avec comme invité Thibaut Nebier, Yaltas Guedo, Julien Timen, Gwyland Meneghin, je ne dis rien, les danseurs des cercles Bruck, Arménès de Spézet et Danserienne Avropourlette du Croisti, et bien d'autres. Donc voilà pour le concert du vendredi 10. Le samedi 11, à partir de 18h, il y aura un apéro-concert avec le Bagadic Pénars, le Bagad Pougastel, le Bagad Bezek et le Bagad Poudergat. Et à partir de 21h, un grand fest-noz avec entre autres Startigène, Mésus Connexion, Bagadron, c'est de mort de l'Ocalmadon, et Bagad Pénars, bien sûr, et puis beaucoup de sonneurs et chanteurs. Donc je vous rappelle, ça sera les samedis, les vendredis 10 et samedi 11 décembre au pavillon à Quimper. Et maintenant, l'ensemble de Pénars, du Bagadic, va nous interpréter une marche vantaise à l'aridée et une suite de tours et tricotines à l'ensemble de Pénars.
Restez sur scène pour la photo. Merci, merci à l'ensemble du Bagadic Pénars pour cette suite qui vient terminer le concours d'ensemble Bombard pour la catégorie C qui sera récompensé par le trophée BAS Pénarbène. Je demanderai donc au jury composé de Fabrice Humeau, Jean-Pierre Moin et Annaëlle Ricou.